Bonjour, ce mois de juillet s'annonce extrêmement chaud en événements dans la capitale. Voici donc 15 idées de sorties que je vous ai dégoté à faire sur Paris. C'est parti! Et on commence tout de suite avec la réouverture du musée Carnavalet avec sa première exposition. Cette exposition met en lumière l'importance de Paris dans la vie et l'œuvre d'Henri Cartier-Bresson, l'un des plus grands photographes français du XXe siècle. Le musée revisite les liens tissés par l'artiste avec une ville où il a toujours habité et qui la nourrit artistiquement. L'entrée du musée Carnavalet reste heureusement toujours gratuite. Les expositions temporaires comme celle-ci sont par contre payantes. Toujours en juillet et jusqu'au mois d'octobre, le musée du Quai Branly, Jacques Chirac, accueille l'exposition Les Olmecs, culture du Golfe du Mexique. Elle offre une véritable plongée au cœur des traditions artistiques, des croyances, des rites et des langages des Olmecs, ainsi que des cultures précolombiennes du Golfe du Mexique. À cette occasion, plus de 200 pièces couvrant plus de 3 millénaires sont exposées pour la toute première fois hors du Mexique. Troisième idée de sortie que je vous propose, c'est le Paris Jazz Festival qui se déroulera au Parc Floral de Paris. Né sous l'impulsion de deux passionnés de jazz en 1994, le Paris Jazz Festival mêle habilement harmonie de la nature et mélodie jazz. Depuis ses débuts, le festival est donc soutenu par le Parc Floral de la ville de Paris, qui met à disposition des amateurs de jazz dans cet écrin de nature. Ce festival de jazz s'affirme comme l'un des plus grands rendez-vous du genre en Ile-de-France et à Paris. Relevant les paris les plus audacieux, le festival est le symbole de la vitalité de la scène française et parisienne, mais n'oublie pas d'inviter les grands noms du jazz à l'international ou sur la scène de l'espace Delta, où musique et nature font jeu d'égal. Découvrons maintenant le nouveau spectacle de la Nuit des Invalides, Napoléon, l'envol de l'aigle. Un spectacle monumental, unique par son histoire, par sa grandeur, par sa technologie de pointe et par le rêve qu'il suscite, célèbre cette année les 200 ans de la mort de Napoléon avec l'envol de l'aigle. Au cours d'une soirée mythique, dans l'écrin de l'Hôtel National des Invalides, venez donc revivre le parcours fulgurant de cet homme qui a imposé son rythme à l'Europe pendant 20 ans. Et maintenant, faisons un tour au Théâtre Edgar avec la pièce de théâtre « De quoi je me mêle ». Comment arriver à sauver son couple quand on se retrouve contraint de cohabiter avec une troisième personne qui ne jure que par le divorce? Marion et Mathieu sont mariés depuis 10 ans. Pour sauver leur mariage, Marion et Mathieu ont une idée originale. Revivre dans les moindres détails le week-end où ils sont tombés amoureux. Pour cela, ils louent la maison dans laquelle ils s'étaient rencontrés, mais en arrivant, ils découvrent qu'elle était déjà occupée par Pierre, écrivain dépressif, venu s'isoler pour écrire un livre sur les bienfaits du divorce. Contraints et forcés de cohabiter, notre trio va vivre le week-end le plus explosif de leur vie. Maintenant, faisons un détour à la Philharmonie de Paris pour l'exposition Salgado Amazonia. Le photographe brésilien Salgado y saisit l'incroyable diversité de la forêt amazonienne et les modes de vie des peuples qui l'habitent. À partir des sons de la forêt, Jean-Michel Jarre a conçu la création sonore qui complète l'exposition. Pendant 6 ans, Salgado a entrepris un voyage photographique en sillonnant l'Amazonie brésilienne pour capturer la forêt, les fleuves, les montagnes, les peuples qui y vivent. Il a pu s'installer plusieurs semaines au sein des villages et a photographié une dizaine de groupes ethniques. L'exposition, riche de 200 photographies en noir et blanc, réparties entre portraits et paysages, souligne la fragilité de l'écosystème amazonien et désigne les communautés indiennes comme les gardiennes des zones protégées où elles vivent. Tous les jeudis, vendredis et samedis de ce mois-ci, vous avez rendez-vous avec Maxime Gasteuil au théâtre de la Tour Eiffel. Maxime nous raconte la vie quotidienne de tant de trentenaires d'aujourd'hui. Mais il n'oublie pas ses racines et nous parle également de sa province qu'il aime, tant cette vraie France, faite de valeurs, de bon sens, d'apéros, de copains, de famille, d'apéros, de cafés sympas, de rapports humains et surtout, encore d'apéros. Maxime nous parle avec beaucoup d'humour de Parisiennes, du métro, du Starbucks, des marchés bio, en passant par des blogueuses ou des cages à lapins qu'on appelle appartements. Les 2, 3 et 4 juillet, le Festival d'art des rues de Paris revient avec plus de 20 spectacles gratuits. Promenez-vous autour des berges du canal Saint-Martin, dans les jardins, places et terrains de sport des 10e, 18e et 19e arrondissements. Redécouvrez la ville autrement en vous laissant guider d'un spectacle à l'autre, au gré du fantastique et surprenant parcours imaginé pour vous par le printemps des rues. Ensuite, à partir du 3 juillet, c'est l'été du canal de l'Ourcq. Trop peu connu du grand public, le canal de l'Ourcq a pourtant bien des trésors à faire découvrir. Dans le cadre de l'été du canal, assistez au concert flottant du groupe Zikup. Le bateau, le Henri IV, se transforme en scène de concert et s'amarre à 6 escales pour des concerts de 20 minutes.
Le public reste à quai et évolue à vélo d'une halte musicale à l'autre en empruntant la piste cyclable du canal de l'Ourcq encadrée par l'équipe de l'été du canal. Du 3 au 4 juillet, c'est la Nuit européenne des musées. La Nuit européenne des musées propose une découverte insolite des musées à la faveur de la nuit. La Nuit européenne des musées, organisée depuis 2005 par le ministère de la Culture et de la Communication, offre la possibilité de découvrir des musées de façon originale dès la tombée de la nuit. Cette 17e édition invite le public à visiter les collections permanentes et les expositions temporaires, mais aussi à découvrir autrement les musées par de nombreux divertissements et animations. Visites guidées, ateliers, concerts, projections de films, lectures, installations sonores ou visuelles. Retour à la Philharmonie de Paris avec le festival Day Off du 4 au 13 juillet. C'est la 11e édition de ce festival au programme Iseult, Liane Lahavas ou encore Parawan. Créé en 2010, le festival Day Off, toujours aussi novateur, souhaite ainsi frapper un nouveau coup avec une programmation encore une fois très riche à découvrir à la Philharmonie de Paris. Je vous mets aussi effectivement encore le lien de la programmation sous la vidéo. Du 12 au 31 juillet, c'est le festival Paris l'été. Le festival propose de grands rendez-vous artistiques et culturels dans tout Paris et sa région. Depuis sa création, le festival s'engage pour faciliter l'accès au plus grand nombre à l'art et à la culture. Théâtre, danse, cirque, musique, performances et installations plastiques s'emparent de nombreux lieux connus ou insolites de la capitale, le plus souvent en plein air et en dehors des lieux traditionnels de spectacle. Et nous arrivons déjà au 14 juillet avec la fête nationale. Contrairement à l'année dernière, c'est le retour du défilé militaire et du public sur les Champs-Élysées. À l'heure où j'enregistre cette vidéo, je n'ai pas d'informations sur la programmation, donc je vous invite vraiment à consulter le site internet de la mairie de Paris pour avoir plus d'informations sur les animations à venir. Maintenant, retour au musée avec une super exposition, Les Origines du Monde, au Quai d'Orsay. Le 19e siècle a connu un développement sans précédent des sciences naturelles. Les grands voyages d'exploration révèlent la diversité du monde et la variété des espèces vivantes. La géologie découvre l'inimaginable antiquité de la Terre et ses transformations au cours du temps. L'étude des fossiles révèle l'antiquité de la vie et l'existence d'espèces disparues. En 1854, les dinosaures du Crystal Palace à Londres présentent un Jurassic Park avant l'heure. Nous arrivons maintenant au 18 juillet et à cette date tous les ans, c'est l'arrivée du Tour de France aux Champs-Élysées. La dernière étape du Tour de France aura donc lieu ce jour-là, le 18 juillet, sur les Champs-Élysées. Et je vous mets tous les liens en bas de la vidéo pour plus d'informations, notamment connaître l'heure d'arrivée. Et pour finir ce mois de juillet en beauté, je vous propose Lady Gaga au Stade de France. La chanteuse aux 35 millions d'albums vendus, à qui l'on doit des tubes incontournables comme Bad Romance, Poker Face ou encore Shallow, investit la scène du Stade de France afin de présenter son 6e album intitulé Chromatica. À l'heure où j'enregistre cette vidéo, le concert est toujours maintenu, mais je vous invite à consulter le site officiel de l'organisateur pour avoir plus d'informations. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que vous aurez trouvé une idée de sortie à faire pour le mois de juillet. N'hésitez pas à vous abonner pour connaître les prochaines sorties pour le mois d'août. Donc prenez soin de vous et moi je vous dis à très vite. Salut !